Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble un cannelloni de courge avec du hachis de porc. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réalisation de notre recette. Une belle courge, un beau hachis de porc bien de chez nous. Du beurre, du pain de mie, une gousse d'ail, des œufs, du lait et un petit peu de persil. Nous ici, on a décidé de ne pas faire intervenir ce cannelloni déjà prêt, mais de réaliser nos propres cannelloni avec la courge butternut. Alors pourquoi la courge butternut? Parce que d'abord, c'est un produit de saison, et ensuite, elle est toute douce comme ça, elle est assez résistante à la cuisson, et surtout, elle a la particularité de pratiquement pas avoir de pépins à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut faire des grandes tranches et les rouler comme des cannelloni. Ça s'épluche comme tous les autres légumes, si ce n'est que, regardez, je suis passé une première fois, et je dois passer une deuxième fois jusqu'à accéder à la couleur orange. La courge butternut est épluchée. On va couper le bout, ici le talon. Alors avant de commencer à faire les tranches, je crée une petite base de départ. Je prends ma mandoline que je règle sur 1. Et là, je fais tout simplement glisser. Voilà. Et on met ça sur une assiette et on va s'occuper maintenant de la farce. 2 tranches de pain de mie. Coupé en petits dés, ma gousse d'ail, je la coupe en 4, 1, 2, 3 et 4, ici mon œuf, un petit peu de lait, le persil, donc on a les ingrédients, il ne nous manque plus que l'assaisonnement avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Je referme et je mixe. Je verse mon hachis à l'intérieur du récipient, je rajoute la moitié de ma préparation. Et je viens tout simplement, à l'aide d'une cuillère, mélanger. Et je termine en mettant le reste de ma préparation. Voilà, on va pouvoir procéder maintenant au montage des cannelloni. Pour préparer le plat à la cuisson, je vais mettre un copeau de beurre dans votre plat. On met le plat à tiédir de façon à faire fondre le beurre. Et pendant ce temps, vous prenez vos bandes de butternut, vous mettez dessus le hachis, vous roulez et vous avez des petits cannelloni de légumes. Alors une recette encore une fois facile à réaliser, aucune technique particulière, si ce n'est d'avoir une petite mandoline pour découper vos légumes. Notre beurre est fondu, ça nous permet de pouvoir les poser sur un beau lit de beurre, voilà. Maintenant je rajoute l'équivalent de 2 cuillères à café de bouillon, voilà, et ça je vais mettre au four pendant une petite vingtaine de minutes, de façon à avoir aussi quand même une petite coloration sur le dessus et de cuire bien sûr le légume et la farce. Il vous reste plus qu'à les présenter. Donc voilà encore un plat qui ravira les enfants et le reste de la famille et tout ça pour un budget abordable. Bon appétit !